Tiens, vas-y, viens, viens à côté. Qu'est-ce vite que fait. Tu veux l'intro, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bonsoir tout le monde, c'est Jolate, j'espère que vous allez bien. Et je suis avec TSX, bonsoir TSX. Salut les gens. On est avec mon cousin. Et aujourd'hui les gens, en fait, on a fait un petit peu de route, vite fait. Parce qu'on a un phénomène pas trop loin de chez nous. Et c'est un phénomène pas ordinaire du tout. En fait, si vous voulez, comment qu'on appelle ça? C'est des crop circles, c'est ça? Crop circles. C'est des crop circles. Vous chercherez un petit peu sur internet tout ce que c'est. On va essayer de vous expliquer un petit peu avec nos mots. C'est un phénomène en fait qui... Phénomène qui est visiblement fait par des extraterrestres. Voilà, qui est visiblement fait par des extraterrestres. Ils vont tous prendre ça pour un troll, mais je vous assure que c'est pas des conneries. Troll, on va vous le filmer. On va vous c'est le filmer. Vrai, c'est juste derrière nous. C'est derrière nous, dans un champ. D'ailleurs, il y a pas mal de monde autour de nous parce qu'il y a plein c'est de gens ça. Qui s'arrêtent pour regarder, prendre des photos, filmer et tout. Et en fait, si vous voulez, c'est un phénomène qui se passe beaucoup aux États-Unis. C'est ça. Voilà, soi-disant des secoupes volantes qui atterrirait sur des places, dans des champs, et ça ferait des, ce qu'on appelle des crop circles. Ça forme des gros ronds en plein milieu des champs. Moi, pour moi, même pour nous, hein, la théorie, c'est que c'est quelqu'un qui l'a fait. La théorie, pour avec, nous, c'est humain, c'est entièrement humain, mais voilà. Ça vaut le coup d'œil. Mais ça vaut le coup d'œil, voilà. C'est artistique, on va dire. Après, chacun à vous de le voir comme vous l'entendez, voilà, vous l'interprétez. Pour nous, c'est humain, pour vous, bah, écrivez-le dans les commentaires, au pire. Voilà, si vous croyez ou pas aux ovnis ou quoi... Après voilà, moi perso je pense que c'est humain quoi, c'est des gens qui l'ont fait. Hein. Bon, on va vous filmer ça les gens, on va déballer le drone tranquillement et on va aller filmer ça de plus près un petit peu. Moi perso c'est la première fois que j'en vois en vrai, on va dire en même temps c'est pas commun du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de gens qui s'arrêtent autour de nous, qui prennent des photos. Il y en a même qui sont en plein milieu du champ, vous allez voir c'est un truc de fou quoi. Ils sont partis communier avec les extraterrestres. Ils sont partis communier avec les ovnis, je vous jure un truc de malade. On va synchroniser la vidéo du drone avec la caméra, attention. C'est parti, vidéo du drone impeccable, normalement c'est nickel. Oula. Voilà, nickel. On va vous filmer ça bien tranquillement les gens. Je vais prendre un peu de hauteur. Voilà, vous allez voir ce que ça donne de haut. On va s'approcher tranquillement. C'est un truc de fou. C'est vraiment super bien fait. Regardez ça les gens, c'est un truc de fou. Vraiment super bien fait. Franchement, je sais pas qui c'est qui a fait ça. Alors il y en a, c'est vrai qu'il y a des théories comme quoi qu'on dirait que c'est les ovnis qui font ça. Voilà. Pour moi, même pour Yohan, je pense, voilà, c'est des gens qui ont fait ça. Là, moi, pour pense. Moi, oui. Voilà. Je pense, tu vois. Après, on sait pas, chacun est libre à ses croyances ou quoi. C'est vrai que. Mais waouh, franchement, c'est vraiment magnifique, quoi. Waouh, regarde ça, franchement. Oh là là. Ça tue, hein. C'est vraiment super bien fait, quoi. On dirait même que ça ressort, t'as vu? Ouais, ouais. C'est vraiment magnifique les gens, c'est super bien fait. Hein. Franchement, c'est artistique en même temps. C'est vraiment artistique. Après, tu sais, je veux dire, ça peut être du troll, tu sais, des gens qui... Voilà, parce qu'il y a des gens qui croient à fond, je veux dire, aux extraterrestres. Et après, c'est possible. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'univers après tout. On ne sait pas. Tu sais, moi je dis... Moi, voilà, il y a un truc qui est sûr les gens, et ça, c'est sûr et certain. La Terre, c'est vraiment tout petit. On est vraiment... La Terre, c'est un grain de poussière comparé à tout ce qu'il y a dans l'univers. C'est très, très bien fait. C'est magnifique. Je vais essayer de descendre. Je vais essayer de descendre un petit peu. Tranquille. Voilà. Alors, tout à l'heure, il y avait des gens qui faisaient voler des drones. Apparemment, les gens, ils gueulaient, mais c'était des drones racers. C'était des drones de course et puis ils rasaient les champs. Donc, nous, on n'est pas là pour faire chier les gens, pour raser les champs ou quoi. Je sais pas si vous voyez, mais il y a du monde dans le champ. Enfin, du monde. C'est relatif, hein. Il y en a un petit peu. Personnes. Tout à l'heure, il y avait beaucoup plus de monde. Il y avait beaucoup plus de monde tout à l'heure. Là, on va essayer de descendre un petit peu et tout, tranquille. Tu le vois le drone, toi? Non. Je le vois je pas. L'entends. Je l'entends. Je l'entends même pas. Voilà, on va avancer, on va prendre une belle prise de vue. Oh là là, regarde ça. Il y a quelqu'un qui est en plein milieu crop circle. C'est des crop circles que ça s'appelle, les gens. Crop circle. Crop circle. Voilà. C'est des phénomènes. Ça nous vient des États-Unis, ça, ou je sais pas, tu vois, mais. C'est ça. C'est voilà, c'est des. Il y a eu que ces phénomènes-là quasiment que aux États-Unis et au Mexique. Voilà, c'est soi-disant des extraterrestres ou quoi après. Qui font ça. Voilà. Après, vous seul à en juger. Nous, on a notre théorie, après, chacun a sa théorie. C'est ça. Et pour l'instant, on n'a pas eu la preuve formelle que c'était des extraterrestres. Ouais, on n'a pas eu la preuve formelle. Mais n'empêche, c'est super bien fait. Hein. Moi, je pense, vous savez quoi? Moi, je pense qu'en fait, c'est quoi? C'est genre, tu sais, un tracteur. C'est un tracteur qui a fait ça. Un tracteur avec genre une grosse hélice et tout. Putain, on est pas le mon vieux à la caméra. Oh la vache. On est tout palo.
On est blanc depuis tout à l'heure, mon vieux. C'est ça. Ouais, c'est pas grave. C'est le soleil. Il fait beau, il fait chaud, mon vieux. Ouais, moi je pense c'est obligé. C'est un tracteur qui a fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est sûr. C'est sûr et certain. Après, sûr et certain. On n'est jamais sûr et certain de rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour voilà. Nous, c'est comme ça. Pour nous, c'est comme ça. Voilà, voilà. C'est notre théorie. C'est des tracteurs. Va savoir, mon vieux, que c'est pas l'extraterrestre de Roosevelt. Va savoir. Vous avez entendu parler de l'histoire de l'extraterrestre de Roosevelt? Est-ce que vous connaissez cette histoire? C'est quoi ça? Ça nous vient encore des États-Unis. La zone 51 aux États-Unis, ouais, le Nevada et tout. C'est pareil. C'est une zone qui est interdite et tout, base militaire. Ouais, base militaire les plus protégées au monde. Ouais. Faudra qu'on aille faire une petite sortie nocturne. Ouais, avec un drone. D'ailleurs, j'en profite les gens pour vous dire que Johan, il est là, mais. Je vous parle encore une fois de la sortie de nuit dans les bois, mais Johan sera de la partie. Je serai là. Il sera là. Eh ouais. Il y aura Johan et mon frère William. Voilà. On sera tous les trois pour faire une petite sortie. Ça va arriver pas tout de suite. Bientôt. Voilà. Les beaux jours sont là et tout, tranquille. Oh là là, regarde ça, c'est magnifique. Putain, mon vieux, mais il y a des bestioles partout là-dedans. c'est des bestioles d'orage. On est dans les vignes. En même temps, on est en plein milieu des vignes, les gens, quoi. Attends, je regarde. Où est-ce qu'on est, nous? On est où? Ah bah regarde, on est peut-être bien par là, nous. De l'autre côté. Ouais, on est par là. On est. Bonne question. Non, remonte. On est plus haut. On est là. On est là. Voilà, on est là. Voilà. On nous voit pas, mais on est là, les gens. On est ici. Ouais. Voilà. En plein milieu de l'écran. Tout ce que vous voyez, c'est des vignes. Ah ouais, mais voilà. Et pour vous dire, voilà, il y a pas mal de bagnoles garées en haut et tout, justement pour admirer ce phénomène de crop circle. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle et, voilà. Et j'avais jamais vu ça. J'en avais jamais vu en vrai. Franchement, c'est la première fois. Bah, pareil. J'ai déjà vu des reportages là-dessus et tout. Mais pourquoi il nous met tout le temps blanc ce machin, mon vieux? C'est pas possible ça. Alors, voilà. J'en avais jamais vu. J'ai déjà vu des reportages et tout là-dessus. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez un petit peu ce phénomène, si vous savez, si vous avez des théories là-dessus et tout. Nous, on vous a donné notre théorie en tout cas. Voilà. Après, voilà. Mais on n'a pas dit qu'on croyait pas aux extraterrestres. Voilà. Ça, c'est sûr. Un truc qui est sûr, les gens, c'est qu'on n'est pas seul dans l'univers. Je pense pas. Voilà. On n'est pas seul dans l'univers. Il y a bien une petite fleur qui est poussée quelque part. Il y a une autre petite fleur qui a poussé quelque part. C'est sûr. Moi, je pense, tu vois, que dans l'univers, ça se trouve, il y a une planète comme la nôtre, tu vois, qui est habitée pareil. Et tu vas savoir qu'elle est peut-être plus évoluée que nous ou quoi. On sait pas. Voilà. On n'a jamais mis le nez plus loin que. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas savoir, les gens. C'est impossible à savoir. On n'arrive pas à sortir de notre système solaire, déjà. Voilà. C'est impossible à savoir. Et nous, je pense que ça se trouve, on le saura jamais. On verra pas, je veux dire. Regarde, il y a des gens qui y vont encore. Ouais. Ils y vont, là. Tiens, on va aller les chatouiller un petit peu. Là. J'ai combien de pourcent? 20% de batterie sur la télécommande. Ça va, c'est cool. Regarde, ils sont là. Oh, pas du tout. Il est juste au-dessus du crop circle, normalement. Ouais. Franchement, en tout cas. Voilà, on voit les gens qui. Ouais. C'est pareil, ils rentrent en saccageant un petit peu, il y a des passages. Ouais. Mais en tout cas, t'as vu comment que c'est net, franchement? C'est tellement net, c'est un truc de fou. Hein. C'est super net, quoi. Ouais, carrément. Je me demande comment qu'ils ont fait ça, les gars. Mais c'est vraiment quelque chose d'artistique, les gens. Voilà. On n'aura pas l'occasion de voir ça tous les jours. Non, je pense pas qu'on va le filmer souvent, ça. Donc voilà, on le filmera pas souvent. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Pas trop loin de chez nous, en plus. Donc ça va, c'est plutôt cool. C'est vrai. Vu qu'on n'était pas trop loin, on s'est dit, tiens, on va faire un petit peu de route pour aller voir ça, quand même. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en ce moment, ici. Et ouais, pas déçu, franchement. En tout cas, c'est plutôt cool. Bon, je vais le rappeler. Normalement, il devrait revenir. Voilà. On va rappeler le drone tranquille. En espérant qu'il s'écrase pas. Inch'Allah les raies. Vous voulez. Il va se poser là. Il va se poser en plus là où vous êtes, je pense. Il y a des chances. Voilà, normalement, il devrait se poser. Je l'entends arriver. Voilà. Il y a une dame qui est avec nous. Vous voulez passer dans le petit reportage, madame? Pourquoi pas? Allez-y, si vous avez un petit mot à dire. Vous avez un petit mot à dire? Allez ici la caméra si vous voulez. C'est comme vous voulez, hein. Ça c'est le brun qui est couché. C'est celui qui est normal. D'accord. Avec le cou. D'accord. Et pour vous alors, quel phénomène? Quel phénomène pour vous? Inexplicable, mais non, c'est pas humain. D'accord. C'est pas humain pour vous? Non, ça sur autant d'épis si précis, c'est pas possible. Je sais pas, comme ouais. Chaque épi est comme ça. C'est vrai que c'est précis, hein, c'est vrai, mais ouais. C'est pas abîmé. Non, c'est écouté. Au final, on ne sait pas si c'est. Ouais, enfin, nous, la théorie, pour nous, c'est humain. Hein, mais après, chacun est libre de penser. Il arrive. Oh, le drone arrive. Le drone arrive, les gens. On est avec une petite dame dans le reportage. Elle veut passer à la télé. Il arrive.
Normalement, il devrait se poser tranquillement. Il va se poser là-bas, normalement. Normalement. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. On sait jamais. La technologie chinoise, ça peut toujours déconner. Si vous voulez bien montrer dans le reportage vos épis que vous avez trouvés, donc vous avez trouvé ça à côté des crop circles, c'est ça? Oui, celui-là est à l'intérieur et celui-là, c'est le normal. Voilà, c'est vraiment, c'est regardez. Super précis. Regardez les gens. C'est super précis. Un bien droit et l'autre, regardez comment il est plié. Et en fait... Ça n'a pas abîmé. C'est un peu... C'est bizarre. Celui-là, ouais. Vraiment droit et celui-là plié sans l'abîmer. C'est donc vraiment... Donc après, à vous de juger ce que vous en pensez. Après, tu sais, c'est peut-être artistique, tu vois. Il y a des gens, ils sont balèzes pour ça. Hein. Voilà. Hein. En tout cas, les gens, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-nous vos avis, vos théories et tout. Parce que c'est vrai que nous, c'est la première fois qu'on en voit en vrai. On a déjà vu des reportages là-dessus et tout. Vous, c'est la première fois que vous voyez ça, vous, madame? Ouais, ben moi, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Et franchement, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'aurai pas tous les jours l'occasion de vous montrer des trucs comme ça, vraiment. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo. 2, 3. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de mon cousin qui est dans la description. Et sur ce, on se retrouve bientôt. Et ciao tout le monde. Au revoir.